L'union fait la force et c'est autour de cette table que la Charente a décidé de prouver que son dossier pour accueillir la nouvelle base logistique Intermarché est désormais opérationnel. C'est ici, sur une ancienne plateforme dédiée à la construction de la LGV, que le projet pourrait voir le jour. On ne convertit pas des terres agricoles pour les transformer dans une base logistique ou des terres naturelles. Ce sont des terrains qui étaient autrefois des carrières Lafarge, qui ont été transformés en base de travaux par COSEA pour la construction de la ligne LGV et qui naturellement vont retourner à une activité économique. Élus, représentants de l'État et de chambres consulaires sont à l'unisson pour énumérer les points positifs de cette candidature. La proximité de la Nationale 10, des accès routiers et des autorisations administratives quasiment bouclées grâce au support de l'État. Les conditions, notamment sur toute la planification en matière d'urbanisme, les conditions sont remplies pour être à l'heure et en fonction des exigences qui ont été posées, bien entendu. La motivation est grande car ce dossier pèse plus de 400 emplois lorsque la fusion des bases charentaises et de sévrienne sera effective. Là aussi, les représentants du monde économique charentais œuvrent dans le même sens pour que cette nouvelle entité logistique soit réalisée à Roulet-Saint-Estèphe. On va bien entendu tout mettre en œuvre pour faciliter l'incorporation des conjoints des futurs salariés, mélanger nos bases de données, leur faire des propositions d'emploi, étudier leurs CV, les transmettre aux différentes entreprises. Un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros qui devrait générer également des emplois indirects. La base logistique devrait s'étendre sur près de 70 000 m².